Hello tout le monde, c'est Super Brioche et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Kingdom Hearts Final Mix. On se retrouve à la joaillerie parce que j'ai un petit peu bougé entre les deux épisodes, je me suis un petit peu entraîné. Alors je sais plus quel niveau on était avant que je vous laisse la dernière fois, mais là maintenant Sora est 51, Donald est 51 et Dingo est 53. Donc bon, c'est pas le super XP de la mort, mais c'est un petit peu mieux que ce que j'avais avant. Sachant que, en fait, tous les 100 cœurs de tous les mondes sont... Enfin... Genre par exemple le Pays des Merveilles, avant c'était des 100 cœurs tout petits, tout faibles. Maintenant ils sont bien forts et bien badass, du coup c'est un peu dangereux dans tous les mondes. Donc ça m'a permis de bien m'entraîner et de voir du pays. J'ai pas pu récupérer les derniers Dalmatiens aussi, parce qu'en fait j'ai plus accès à la forteresse oubliée. Je sais pas trop pourquoi, j'ai pas tout suivi pourquoi je ne pouvais plus y aller de manière... classique, puisque de toute façon j'avais débloqué le chemin. Et donc je suis revenu ici après m'être entraîné. Du coup je voulais vous reprendre à la forteresse oubliée, parce que du coup je voulais continuer. Mais bon, du coup je suis revenu ici et je me suis dit qu'il fallait parler à Cid pour peut-être débloquer. Je sais pas, on va voir, je pense que c'est ça. Dans le doute. Bonjour Cid, je dois retourner à la forteresse oubliée. Bon, ça a l'air pas mal. Ce n'est pas une bonne idée petit. Les 100 cœurs se multiplient à chaque seconde. Ils dévoreront ton vaisseau. Alors que peut-on faire? Je ne sais pas. C'est simple, les contourner au lieu de les affronter. Installe à nouveau un Navigumi et prends un autre trajet. Un nouveau Gumi? Où ça? Dans le canal secret. Quand je suis arrivé il y a 9 ans, je l'ai gardé ici, en cas de besoin. D'accord, dans le canal secret, c'est là où il y a la grotte. J'aurais jamais cru qu'il servirait à un gamin. Oui, oh, ça va. Ça va. J'ai activé une compétence aussi. On peut y aller par là, non? Moi, je crois. J'ai activé Pétale Garde pour Sora, qui permet de ne pas être interrompu quand je me soigne. Je sais pas si c'est bien super, mais bon, j'ai essayé. Le problème, c'est que ça prend 5 points de compétence. Donc bon, je vais pas les faire. J'en ai un peu marre de combattre. Ça ira. Hop. Bon, Donald et Dingo aussi ont récupéré pas mal de trucs. Je crois que j'ai donné un nouvel équipement à Dingo aussi, parce que forcément en m'entraînant j'ai eu pas mal d'objets et ça m'a permis de créer quelques petits trucs chez les Mog. Bien que je sois très loin de la quête de la Keyblade ultime que vous me demandez de faire, mais il faut beaucoup trop d'objets, donc je pense pas que je la fasse en vidéo, je suis désolé. Alors il y a Kairi ici, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Ce dessin est vraiment étrange, il est ensorcelant. C'était pas une lune avant ce truc? Putain, un temps. Ok, bah Navigumi, très bien. Parfait. Cid a de drôles de cachettes pour ses objets, mais pourquoi pas. Bah, on va lui redonner. Ou pas. Allons rejoindre les autres. On devrait se reposer. Ok, bah, pas de soucis. Oh, your grandma's story, right? That's right. We were together. You know what's funny? I looked everywhere for you, but you were with me all along. Finally, we're together, Kairi. Now, it's time to get Riku back. You think it'll ever be the same again between us? Riku's lost his... When I turned into a Heartless, you saved me, remember? I was lost in the darkness. I couldn't find my way. As I stumbled through the dark, I started forgetting things. My friends, who I was. The darkness almost swallowed me. But then, I heard a voice. Your voice. You brought me back. I didn't want to just forget about you, Sora. I couldn't. That's it! Our hearts are connected. And the light from our hearts broke through the darkness. I saw that light. I think that's what saved me. No matter how deep the darkness, a light shines within. I guess it's more than just a fairy tale. Well, let's go! You can't go! Why not? Because it's way too dangerous. Come on, Sora! We made it this far by sticking together. You can't go alone. Kairi, even if we're apart, we're not alone anymore,
right? I can't help? You'd kind of be in my way. Okay. You win. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Promise. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Eh bien, on a gagné une Keyblade, Tendre Promesse. Je crois que c'est une Keyblade très puissante et carrément stylée. Et Kairi veut nous aider, mais bon... hein. Riku est complètement dans les ténèbres, je sais pas qui lui parle, mais on nous parle d'une deuxième Keyblade, d'une porte des ténèbres à fermer avec deux clés, je pense que la première clé est celle de Sora. C'est très mystérieux tout ça, mais du coup on a gagné une nouvelle Keyblade, on va regarder ça tout de suite. Sora, boum. Alors, on a âme du héros, tendre promesse. Augmente de MP de 1, accroît l'efficacité... Voilà, on va y arriver. L'efficacité des sorts et des invocations favorise les coups critiques. Elle est très très stylée. Elle est un tout petit peu moins puissante que âme du héros. Mais on va quand même la mettre parce qu'elle est quand même beaucoup plus mieux. Je trouve. Ah oui, beaucoup plus stylée. Ok. Alors, ce que j'ai voulu vous dire avant que je me fasse couper, je crois, par la cinématique. Enfin, ça dépendra si je voulais laisser ou non. Enfin bon, peu importe. Kairi va nous aider, mais on veut pas d'elle. Voilà, parce que c'est trop dangereux pour les filles, c'est ça. En gros, c'est un peu l'idée qui nous a dit. C'était un petit peu sexiste, Sora, mais c'est pas grave. Alors, on nous a demandé d'aller rejoindre les autres. On va passer par la chambre du mage. Pourquoi pas. C'est tout à côté. Alors, hors de question que je te parle, à toi. Hop. Sinon, on fait un petit tour chez Winnie l'ourson, hein, voir s'il va bien. S'il veut qu'on le pousse de la balançoire ou des bêtises comme ça. Pendant que le monde est en train d'être détruit. Enfin voilà quoi. Alors, faut qu'on retourne dans la petite... la maisonnette. Où il y aurait tout le monde. On va parler à tout le monde et puis ça va débloquer la suite. On va dire que c'est comme ça. Ça se trouve, je peux déjà quitter le monde tout de suite. On va éviter de combattre. Oui, merci beaucoup. Merci, merci. Je ne fais que passer. J'ai désactivé aussi. J'avais testé Ragnarok la dernière fois. Je l'ai désactivé parce que je préfère avoir seulement Disco Bolos sur la touche triangle. Sinon, c'est un peu le bordel. Parce que ça se déclenche quand je saute ou quand je saute pas, enfin je préfère avoir une seule compétence sur la touche triangle, comme ça c'est plus facile. Coucou. Les ténèbres les ont-elles emportées? Qui ça?
J'espère que les princesses pourront résister aux ténèbres. C'est vrai que les princesses apparemment sont toujours au château. Enfin, à la forteresse. Je pense que Sid connaît le moyen de rejoindre la forteresse oubliée. Oui. Je me demande si Ansem attend dans la forteresse oubliée. D'accord. Je me demande comment va Riku. Vous vous posez beaucoup de questions, les filles. Hein. Allez, on va voir Sid parce qu'apparemment c'est Sid qu'il faut voir. On nous a mal aiguillé, hein. Kairi, pas top pour les directions. Hop, maintenant que je... Ah oui, mais en fait, faut que je rapporte simplement le Navigumi, en fait. C'est moi qui suis un peu bête. Parce que je l'ai récupéré, mais je sais pas l'installer. Chaque fois, c'est Sid qui m'installe ces trucs. Allons-y. Hop, 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 hop. Mais je pense qu'on pourra y retourner cette fois. Par contre, j'ai peur qu'on doive se retaper un chemin de vaisseau. Tu l'as trouvé? Très bien, je vais préparer ton vaisseau. Pichpoum, pichpoum, pichpoum. Pendant que j'attends ici... Voilà, ça a pris 5 secondes et moi je suis resté planté comme un piqué ici. C'est fait, tu peux partir quand tu veux. Petit, je dois avouer que je me fais du souci pour toi. Bah c'est bien papy. Hop, fais-toi du souci. Moi, je m'en vais. Alors je vais pouvoir vous montrer du coup la puissance des autres mondes. Vous vous rappelez, il y a tout un système d'étoiles pour dire la puissance des monstres. Et vous allez voir que dans tous les mondes, bah ça a bien augmenté. Et d'ailleurs, un nouveau tournoi aussi au Colisée de l'Olympe. Un nouveau trou cosmique s'est ouvert près de la Traverse. Je me demande où il mène. On a détecté une étrange réaction magique dans chaque monde. On devrait peut-être les revisiter pour voir ça de plus près. Mais j'ai déjà revisité un petit peu. Ouais, vous voyez, Pays des Merveilles, il y a 6 étoiles déjà. Jungle Profonde, 6. Ici, on est à 9. 9, 6, enfin ça a bien augmenté quoi. Et vous voyez que je peux pas retourner à la forteresse oubliée. Donc je pouvais pas récupérer mes dalmatiens. Et c'est pareil, enfin voilà, ça a bien augmenté dans tous les mondes. Et maintenant bah, on va aller dans les trous cosmiques pour prendre le raccourci jusque là. Surtout que bah du coup je vais me retaper tout un chemin. Du coup bah ça va être l'ellipse du chemin magique. Donc je vous dis à tout de suite dès que j'arrive. Alors finalement, écoutez, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu quand même. Parce que je crois que c'est le dernier en fait. Je crois que c'est la dernière fois qu'on fait cette route, donc j'avais envie de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et la puissance de mon vaisseau, parce que. Enfin, la puissance. Je le trouve plutôt puissant. Il est moche et dégueulasse. Mais il est assez puissant et plutôt rapide. Je sais pas si vous. Enfin, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais je trouve que je vais vite à traverser les trucs. Donc c'est plutôt agréable parce qu'au tout début du jeu, c'était la lenteur incarnée. Puis on tapait avec un pauvre laser tout pourri. Là maintenant je tape dans 3 directions, il n'y a pas de souci et je crois qu'il y a une bombe voilà qui part en même temps. Donc c'est plutôt tranquille. Et on sent que l'ambiance quand même est un peu plus pesante que dans les chemins du début du jeu parce que la musique est clairement plus stressante. Il y a des ennemis partout, mais vous voyez que je les défonce quand même, hein. C'est vraiment... Cette phase de vaisseau est clairement inutile. Il y a des missions à faire d'ailleurs, mais je pense que je les ferai parce que j'aimerais bien finir le jeu à 100% de mon côté. Je vais pas m'amuser à vous montrer ça parce que là l'intérêt. Mais je le ferai, je pense, de mon côté pour avoir le trophée 100% PS3, enfin des trucs comme ça, parce que j'aime bien. Peut-être qu'on gagne des objets intéressants aussi. Je pense pas, à vrai dire. Après, s'il faut faire des vaisseaux pour gagner ces trucs-là, je suis pas sûr que je le fasse, hein, parce que ça m'a gonflé de faire ça. C'est pour ça d'ailleurs que je me retrouve avec un vaisseau tout pourri, parce que j'ai voulu améliorer mon vaisseau de base et que je me suis complètement chié. Je sais pas ce qu'il voulait, il voulait des réacteurs, il voulait des trucs. Pour moi, il y avait des réacteurs, mais il n'y en avait pas pour lui. Enfin, c'était n'importe quoi. Du coup, j'ai dit fuck it. Et puis j'ai pris un vaisseau tout près et voilà, je suis parti. J'en avais marre, parce que je pouvais même pas revenir en arrière, je pouvais pas annuler mes changements, non c'était foutu. Le vaisseau de base, il pouvait plus voler, c'était foutu. Et là vous voyez, je passe tout droit, il n'y a pas de problème, je reste le bouton, enfin le doigt sur rond, tiré. Et si je veux, je bouge plus. Hein. Allez, on va arrêter de bouger, puis vous allez voir que ça passe pareil. Je ramasse des quantités phénoménales de blocs. Voilà, ça passe. Peut-être que la route est longue, ça se trouve je vous ai repris super loin. Mais... Boum, oh je me suis pris un mur. Ah bah voilà, on arrive. Ok, vous voyez, c'était pas bien long. Et voilà, vous aurez revu un petit peu ce truc super intéressant. Allez, forteresse oubliée. Là au moins, il se passe des trucs. J'espère que le niveau des combats est pas trop haut. Je sais pas si... Ça se trouve, je suis complètement pas haut niveau. Hein. Mais je pense quand même qu'on va s'en sortir. Et... Le gouffre doit pas être aussi haut, surtout que je me suis pris un petit peu d'expérience. Où est Belle? Toujours dans le château.
contre son gré. Non, je crois qu'elle voulait rester là-bas. Les autres princesses y sont aussi. Je me demande pourquoi. Allons leur demander. Tu pourrais avoir besoin de ma force. Je t'accompagne. Non, on veut pas de toi. Mais c'est vrai que c'est curieux pourquoi les princesses veulent rester là-dedans. Pourquoi? Et d'ailleurs, ça me fait penser quand pendant la cinématique de Kairi, elle nous a, enfin, Sora lui a parlé de sa grand-mère. C'est ce qu'on avait vu dans une de ses pas une vision, mais une espèce de flashback. Bravo, champion. Toujours aussi doué, hein. Beaucoup de puissance. Et j'ai vu que pas mal d'entre vous avaient remarqué que la bibliothèque de la forteresse oubliée était la même que la bibliothèque dans laquelle on avait vu la grand-mère de Kairi. Comme quoi, Kairi est déjà venue ici, étant petite. Et ça, c'est important. Alors, hop, hop, hop. La musique est toujours aussi classe ici, j'adore. Et maintenant, notre but, ça va être de retrouver Riku. Putain, non, j'ai couché. Je suis très peur, là. Et de sauver Riku, et peut-être de s'occuper d'Ansem qui fout un peu la merde et qui, peut-être, se trouve au fond de cette forteresse oubliée. Il y a de grandes chances, même, hein, parce qu'on est quand même dans la dernière zone, donc... je pense pas que ce soit difficile à deviner. Alors, est-ce qu'il y a encore des sans-cœurs? Oui. Allons voir. On va aller taper un petit peu, voir si j'ai récupéré un peu de puissance depuis la dernière fois. Et puis voir cette nouvelle Keyblade. Oh non! Ok, bah je suis bon pour recommencer. Bravo. Je me retrouve tout en bas. Et du coup, j'ai pas pu récupérer les coffres que j'avais ratés ici. Je le ferai peut-être justement à l'épisode prochain, parce que il y a des coffres, il faut vraiment faire des actions, je sais pas où, pour débloquer trucs et trucs. Enfin bref, c'est super long en fait. Pour un coffre, il faut faire des allers-retours pas possibles. Donc je vais peut-être pas m'amuser à le faire avec vous. Je vais essayer de récupérer les derniers dalmatiens, parce que ça, vous m'avez dit où ils étaient, donc c'est cool. Ils sont là où j'ai combattu Riku, possédé par Ansem. Allez, vous pouvez mourir. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils esquivent. Non, mais cible-le, voilà. Boum. Bon, vous voyez, on tape plutôt fort, hein. On a pas mal de vie, on a pas mal de magie, c'est cool. Bon, on va quand même accélérer le mouvement. Hop, s'il faut, je m'entraînerai entre les deux épisodes, mais là... ça suffit, les combats, j'en ai marre. Vous les avez pas vus, mais moi, j'en ai marre. Du coup, j'avance. Il y en a là? Évidemment qu'il y en a là. Oh, il y a des gros, il y a tout le monde. C'est la fête. En fait, moi, quand je me suis entraîné dans les autres mondes, j'avais des ennemis venus d'ici. Les gros avec le bouclier, les espèces de boules noires. Et là, on se retrouve avec des ennemis qu'on avait... ils vont mourir, hein. Dans les autres mondes, en fait. Ils ont échangé, ils ont fait un kiff. Je prends cher, quand même. Hein. Ah oui, je prends même très cher. Comment j'ai pu prendre aussi cher, là? Ça vous prend souvent. Le fail, bonjour. Je vais retomber où, là? Où est-ce que vous me mettez? Ne me mettez pas en bas des chutes, hein. Je vous jure, ça va m'énerver. Allez, allez, on se dépêche, là. Ok, bon. Je sais pas pourquoi j'ai pris si cher, on va se protéger, y'a pas de problème. D'un coup, là. Allez. Je me concentre un peu. Boum. Voilà. Ça va mieux, hein. Ça va beaucoup mieux comme ça. Cristal pur, ça doit être intéressant, ça. Oui, ça va beaucoup mieux quand je me concentre, hein. Et là pour l'instant j'étais en train de vous causer, faire un peu n'importe quoi. Je l'ai cassé un vase, poule. C'était primordial. Ils sont trop chiants à ce TP, j'avance. Toi ça va encore, je peux te tuer. Mais les petits mages là, ils sont chiants. Il faut pas trop de dégâts, mais on peut pas les taper. Ils se téléportent, ils sont trop chiants. Allez boum. Non. Dégage. Je crois qu'il faut que j'utilise gravité sur eux aussi d'ailleurs. Comme pour les gros. Boum. Ah, ça va le tuer ça. Ah non, ça le tue pas, mais juste un coup quoi. Ah, et puis il reste des mages. Allez, foutez-moi la paix. Tour des passerelles. Attendez. Je crois que je fais une bêtise. Je crois qu'il faut que j'aille à la bibliothèque justement. Allons à la bibliothèque. Elle est là, non? Salle de lecture. Voilà, je pense que là. On va avoir quelque chose. Si j'ai bien tout suivi, il se passe quelque chose ici. Alors du coup, je vous avais dit, hein, j'avais terminé les énigmes des bouquins. Donc j'ai tout débloqué. Non, il n'y a rien du tout ici.
Bon, j'étais persuadé qu'il se passerait quelque chose. Mais c'est ici, hein, qu'on avait vu la grand-mère, je crois. Si je me trompe pas. Non, bah écoutez, bah... Ah non, c'est bon. J'aime bien quand j'ai raison un peu. Oh, Pearl. Tu es venu sceller la serrure? Sois très prudent. Oui, ok, y a pas de problème. Les ténèbres se déchaînent à l'intérieur. Nous les avons contenus. Ok, j'avais cru qu'il y avait marqué convaincu. Mais on ne tiendra pas encore longtemps. On va s'en charger. D'accord, elles sont là parce qu'elles contiennent les ténèbres. D'accord. Bonjour. C'est pour toi. Certains face aux ténèbres, comme l'a fait la bête. Rose éternelle. Ouh, une Keyblade. Voyons voir. Équipement, c'est la fête à la Keyblade là. Hop. Ouh. Ouh, elle tape très fort la rose éternelle. C'est dommage parce que celle-ci est... Celle-ci est classe. On va la garder pour cet épisode Tendre Promesse parce que le roi est quand même trop très classe. Mais il va falloir que je passe à rose éternelle parce que... 13, 43, je perds un point de magie mais... Favorise les coups critiques. Puissante et difficile à contrer, elle est clairement mieux mais... Je vais garder un petit peu la tendre promesse parce qu'elle est quand même un peu plus sympa. Plus classe, disons. Je pensais avoir autre chose ici, je dois vous l'avouer. J'avais cru comprendre qu'il y avait autre chose. Non, bah écoutez, c'est pas grave. Oh là, oh là, oh là, ça y est, je fais n'importe quoi. On va aller à la salle des passerelles. C'est pas grave. Oh là, Sora, qu'est-ce que tu me fais? C'est rien, c'est rien. Tout va bien, tout va très très bien se passer. De stress. Alors ici j'avais ouvert, il y a un truc, enfin il y avait un coffre, je sais même plus d'ailleurs. Enfin je sais plus. Enfin bref, je vous dis, c'est des trucs où il faut faire des allers-retours pour avoir un seul coffre, je le ferai plus tard. Là pour l'instant je veux mes dalmatiens et je veux continuer. Et pour ça il faut justement que je retourne par là-bas. Allez, on va esquiver un tout petit peu les combats parce qu'on veut avancer. Parce que là il faut tout que je me retape la montée, ça va être un petit peu long si je m'amuse à tout combattre. Ils auraient pu mettre un raccourci aussi, ça se trouve il y en a un et je l'ai pas pris, c'est pas possible non plus ça, parce que je suis très malin moi. Hop, j'esquive tout le monde, hein. Je vous dis je monte, là je monte, on y va. Je veux voir ce qui se passe en haut moi. On va retourner à la salle où on a combattu Maléfique là avec toutes les princesses. Faut que je tue tout le monde là, parce qu'il faut que j'active ça, je crois. Oh non, 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 c'est pas le moment de tomber, Sora. Je vais mettre une demi-heure à remonter là-haut parce que je suis trop mauvais. C'est pas possible. Où est-ce qu'il... Mais non, mais c'est une blague en plus. Ouh, ça va m'énerver. Je vous jure que si je retombe une fois, je fais une ellipse. Je vais faire une ellipse. D'ailleurs, je vais la faire tout de suite, l'ellipse, je sens. Non, je vais pas la faire parce que je sens que je vais débloquer un truc, vous serez pas là, enfin, vous êtes déçus. Allez, on court, ça va bien se passer. Voilà. C'est pas long quand même, c'est pas trop long. Il suffit que je tombe pas. Allez-y. Déjà, on a débloqué un truc avec Belle parce que j'aurais été... Ça me remet... etc. J'arrive pas à articuler aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ça m'aurait énervé d'aller là-haut et de voir que, en fait, fallait pas que j'aille là-haut parce qu'il fallait que j'aille voir Belle. Et j'aurais pas eu ma rose éternelle, j'aurais été très déçu. J'espère qu'il n'y a pas un raccourci que je connais pas parce que sinon, je vais me faire flame dans les commentaires, ça. Parce que peut-être qu'il y a un truc où je rage et en fait, il était là, bah voilà. Enfin, je me fais flame. Je me fais disputer. Alors, on va faire la même en moins stressé du coup, hein, je vous explique, ça va être boum, boum. Allez, dégagez. Il y a un gros objet là-bas. Vite, arrête de cibler. Prends ça, cristal fougue. Parce que là, il faut que j'active le cristal, sauf que je peux pas le faire s'il y a du combat. Ça, c'est pas très pratique. Doucement, doucement les combos aériens, doucement. À moins que... Non, non, toutes ces plateformes-là, elles servent pas à ça. Non, non, j'ai besoin de celui-là. Oh, écoutez. Allez, boum. Regardez, il y a des petits volets rouges.
Je sais pas, ils ont l'impression qu'ils ont mis tous les ennemis de tout le jeu ici. En plus des ennemis bien volants, donc là où il n'y a pas de barrière, des trucs sympas quoi. Allez, doucement, doucement. C'est bon. Je perds plein de vie. Allez, viens, 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 viens. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Doucement, doucement, Sora, je veux pas que tu tombes. Ah, il y en a plein là. Je rage un peu, non? Tombe pas! Je vais mourir quoi. Ils sont chiants, j'ai pas. C'est bon? Je fais pas autant de mal à les tuer la dernière fois. Hein. Je sais pas s'ils ont pris beaucoup de niveaux, mais là, ils sont lourds. Alors, ça n'a aucun effet. Non, c'est pas celui-là, excusez. Voilà. Bon, vous savez quoi? On va la faire cette ellipse parce que sinon on va vraiment prendre un quart d'heure pour monter. Et ce serait gênant pour tout le monde. Alors je vous dis à tout de suite. Ok, je suis de retour avec vous après une ascension magnifique. Et je suis là où on avait combattu Maléfique avec sa première forme. Et je vois les princesses dans le fond. Donc on va aller voir ce qu'elles peuvent nous raconter. Allons voir. Bonjour. Sora, dépêche-toi, les ténèbres se répandent par la serrure. On fait notre possible pour contenir les ténèbres. J'ignore combien de temps on pourra résister. Excusez-moi, mais vous n'avez pas l'air d'être dans l'effort le plus... hein. Elle papote dans la salle. Oui, oui, on fait tout ce qu'on peut, hein. Calmez-vous, prenez votre temps. Très bien, j'y vais. Je sais pas, ça... Bref, nous comptons sur toi, maître de la Keyblade. Nous ferons de notre mieux. Mais avant ça, vaisselle. Pardon. Et les deux là-bas, qu'est-ce qu'elles disent? Enfin, je sais pas, elles ont pas. Enfin, bref. Nous t'attendions, maître de la Keyblade. Voyons, Sem. Ils s'est volatilisés. Quand la serrure est apparue, les ténèbres se sont répandues. Elles ont englouti en Sem et il a disparu. Bien qu'en Sem ait disparu, le flux des ténèbres ne s'est pas arrêté. Nous joignons nos forces pour le contenir. Je n'oublierai jamais son regard. Oh là là. On va peut-être faire une petite sauvegarde ici, ça nous soignera en plus, ça sera très très bien. Hop. On va se mettre dans les chutes ascendantes, c'est là où j'ai le plus petit niveau, donc ça doit être la plus ancienne. Bon voilà, mes petites blagues sexistes, hein, c'est juste pour... voilà. Je suis pas du tout comme ça, hein. Merci de pas prendre ça au sérieux. Et on va avancer, c'est juste que voilà, on fait tout notre possible, mais bon, je sais pas, elles ont pas l'air très... Puis il y en a une à la bibliothèque, quoi. On fait ce qu'on peut, c'est très difficile, mais moi je vais prendre un bouquin. Donc bon. Tour des passerelles, continuons. Je veux prendre mes dalmatiens, moi. Je suis là que pour ça. Je m'en fous de Riku et d'Ansem, je veux mes dalmatiens. Voilà, tu l'auras pas, toi. Grand hall, donc on y est cette fois. Voyons voir. On est là au niveau de la serrure, du coup. Et il y aurait un coffre. Oh, et puis il y a des ennemis aussi. Super. Allez, on va tuer tout le monde du coup, parce que sinon ça va être la merde, on pourra pas ouvrir les coffres de toute façon. C'est bon? Ah, il est là lui. Allez, allez, voilà. Alors, où est-ce qu'il est ce coffre? Oh là là, il est du monde. Allez, boum! Faut que je fasse gravité, mais là, bon, j'ai lancé le disco boulos. Voilà. On va s'amuser à faire un gravité. Il est déjà bien affaibli. Par contre, il est en mode... Qu'est-ce qu'il a, là? Pourquoi t'es brillant? Pourquoi t'es en mode brillance? Ça servait à rien. Et allez, ça continue. Voilà, voilà, protège-toi. Qu'est-ce que tu m'as fait, là? Voilà, merci. Non, mais soigne-moi. Merci. Voilà, calmez-vous. Calmez-vous. Magie, gravité. Voilà, ça me fait du bien. C'est beaucoup de bien, ça. Ça marche tellement bien. Qu'est-ce que j'aurais fait sans votre astuce? Qu'est-ce qui... Il y avait un truc invisible encore là? Protège-toi. C'est bon? Tout le monde est mort? Qu'est-ce qui se passe? On a pris tellement cher que je vais sortir pour me soigner, hein, parce que... En espérant que ça... Ah, quoi que non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. C'est tout le... Enfin bref. Je peux pas. Oh là 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 là. Je prends très cher. Hein. C'est vrai que j'aurais peut-être dû m'entraîner un peu plus. Boum 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 boum. Petit soin, ça prend pas de mal. Allez, dégage.
Ils sont chiants ceux-là, je sais pas pourquoi des fois je peux pas les taper, puis allez, téléportation. Voilà. Alors, il est où mon coffre? Il est là? Il est pas là. Allez. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que t'as voulu faire, toi? Boum. Écrasement. Soin. Voilà. C'est bon. Ah, il est là. Viens là, viens là, viens là. C'est toi. Yeah. J'ai fini, j'ai fini. Je veux un trophée PS3, je veux un trophée PS3. Non? Ah! J'avais bien que je le savais quand même. Donc j'y retournerai entre les deux épisodes parce qu'apparemment je gagne quelque chose de très intéressant. Il y a des coffres encore là-bas. Hop, il y en a encore en bas, j'ai vu. Souvenir perdu. Bah décidément, mais les Keyblades, c'est la fête là. Souvenir perdu. Oh, elle est classe aussi, hein. Elle est classe, mais elle est un peu moins puissante que Rose Éternelle. Pourquoi ils me mettent Rose Éternelle? Elle est pas très jolie. Mettez-moi Souvenir perdu en mode badass, regardez-moi ça. Elle, elle est belle. Je sais pas à quoi elle ressemble, la Keyblade Ultime, d'ailleurs. Ultima. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, je mets celle-ci un petit peu. Voilà, mes souvenirs perdus, même si... Du coup, je sais pas. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais... Qu'est-ce que je mets comme Keyblade? Parce que j'en ai trois. Les trois sont puissantes. La plus puissante, c'est la moins classe. Donc bon, je sais pas quoi en faire. Allez, toi, tu veux un peu de gravité dans ta face? Vut! Ça fait du bien, ça, hein. J'ai pas vu, par contre... On va regarder là, puis voir après. Cristal de vie. Enlève-moi le mode combat. Ah non, j'ai pas le droit. Bon, d'accord. Tu veux de la gravité, c'est tout. Boum. Ça marche très bien. Hein. Arrêtez de me tuer, merci. Voilà. En fait, j'ai pas vu ce que la Keyblade faisait comme capacité, entre guillemets. Donc, ça a toute une petite spécificité, augmente les coups critiques, blablabla. J'ai pas regardé ce qu'elle faisait, celle-ci. Ça se trouve, elle est moins puissante à cause d'une capacité... Voilà. Pas terrible. C'est possible aussi. Alors, voilà, hein, vous allez arrêter de me saouler. Mais t'es trop loin! Allez! Regardez-moi, je me fais troll par un truc là! Allez! Mais va le tuer! Oh! C'est bon, on est sorti. Équipement, souvenir perdu, qu'est-ce qu'elle fait? Renferme une très grande puissance. Diminue les MP de 1. Oui, bon, c'est vrai que c'est. Ouais, bon. Il y en a encore un, ils m'ont gonflé longtemps. Est-ce que je peux traverser la serrure ou je sais pas quoi là? Non, bah non, bah non. Foutez-moi la paix. Attends, de toute façon, je peux y aller quand même. Foutez-moi la paix une seconde là. Ah, mais. Lâche ça. Est-ce que j'ai le droit d'y aller? Abîme des ténèbres. Voilà, je vous dis. Je vais dans l'abîme, hein. Oula. Je n'avais pas prévu ça. Je suis pas prêt. J'ai pas toute ma vie, j'ai rien. Oh mon dieu. Oh là là, oui d'accord, bon ça sent le... Ok. Ok, ok. Objet, éther. J'ai pas d'éther, d'accord. Merci pour votre soutien. J'ai bien fait de vouloir me dépêcher. Tu peux sauter s'il te plaît, voilà. Bon, il attaque pas beaucoup pour l'instant. Je me souvenais pas qu'il y avait un boss, d'ailleurs je me souviens pas vraiment de ce qui se passe maintenant. Tiens, pourquoi du disco truc là? Allez, boum, boum, invincibilité totale, vas-y, 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 vas-y. Il a beaucoup de points de vie, hein, parce que là, il a une barre de vie dans le gros. Pas sûr qu'on ait déjà vu ça, c'est rare. Mais saute, Sora. Je peux pas l'atteindre. Oh, la caméra, toujours contre moi. Toujours. Il faut me monter dessus. Oh là, j'aime pas bien ton attaque, là. Monter dessus comme le Cerbère. Oh. Oh, oh, oh. Non, j'étais dessus. Vous êtes pénible. Attendez, on va prendre une petite potion. Voilà. Je prends mon temps. Non, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Voilà. Boum. Là, tu vas prendre cher. Tiens. Oh là. Ok, le fail. Ça s'appelle un fail. Je suis dans les airs et il n'y a pas de problème. Bon, il est pas très très vif le truc, hein. Aïe, oui, ok, j'ai rien dit.
Reprends une petite potion. Voilà. Fais ta petite attaque là pour que je puisse te monter dessus. Oh, on peut peut-être s'en sortir, hein. Par contre, après, je vais faire une petite sauvegarde, hein. Parce que j'ai moyen la confiance, là. Montre-moi ta petite barre de vie verte qu'on voit qu'on a à la fin, là. Dégage, 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 dégage. Non, non, okay, j'ai cru. Tiens, regarde. Boum. Boum. Oh, ça fait du bien, ça. Ouh, ça pique un peu, hein. Aïe, 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 aïe. Approche. Attaquez, les gars, hein, parce que sinon, ça va pas... Ça s'arrêtera jamais. Oh, 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 pourquoi il faut que tu décides de faire n'importe quoi là? Oh, venez, venez, venez. Oh, vous êtes bon là. Oh là, on va lui faire mal. Vous êtes bien placé. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va y arriver. Soin. Dégage. Ok. Pourquoi il est pas vif comme ça? Ça me plaît pas non plus qu'il soit pas vif comme ça. Parce que ça veut dire peut-être qu'il a une deuxième phase, le truc. Et que là, ça va pas rigoler. Genre là, la phase 1 facile, c'est un peu bon. En mode affaiblissement, et comme ça, après, bon, on est bien dans la merde. Allez, 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 allez. Il reste pas grand-chose, on va espérer. Ça se trouve, il y a rien de difficile. Allez, tout le monde a pris un petit niveau. Non, pas dingo. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Joyau Omega. Now let's go and seal that big keyhole. Sora, you did it. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu avec le vaisseau de Cid. Et bonjour Raven PCP, bienvenue sur Kingdom Hearts. Nous avons passé notre enfance ici. On voulait revoir cet endroit. Il est dans une... Quoi? Il est dans un sale état. Pire que je ne le craignais. Ça n'a plus rien à voir. Ne t'en fais pas. Si nous battons un SEM, tout redeviendra comme avant. Même chose pour votre île. C'est vrai? Mais ça veut dire... Ça veut aussi dire qu'on ne se verra plus. Lorsque les mondes renaîtront... Ils seront à nouveau séparés. Chacun retournera d'où il est venu. Alors, je viendrai vous voir avec le vaisseau Gumi. Ce n'est pas si simple. Avant, tu ne savais rien des autres mondes, pas vrai? Car tous les mondes étaient isolés. Les murs infranchissables... Des murs infranchissables les séparaient. Les Sans-Cœurs ont détruit ces parois. Mais si les mondes renaissent, les murs réapparaîtront. Ce qui rendra les vaisseaux Gumi inutilisables. Tu veux donc dire que je... Jamais nous ne... We may never meet again, but we'll never forget each other. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Besides, I couldn't forget you, even if I wanted to. What's that supposed to mean? Sora, good luck. Bon, la serrure de la forteresse oubliée a été scellée. Merci Sora, je crois qu'ici les ténèbres commencent à faiblir. Mais je sens que les ténèbres se rassemblent loin de nous. Au cœur des ténèbres. Les ténèbres se rassemblent au cœur des ténèbres, ouais. Vous êtes... Pff, retournez vous bouquiner. C'est là qu'on s'est battu se rendre.
Prenons le vaisseau Gumi et partons affronter Ansem. Elle est sans cœur. Non, c'est pas vrai, il reste un chemin Gumi. Excellente initiative, maître de la Keyblade. Nous t'offrons ce pouvoir pour t'aider dans ton combat. Essence du feu. Ah, brasier plus devient brasier X. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé brasier, peut-être que du coup je pourrais le réutiliser. Sora, seul ton courage fera renaître nos mondes. Une fois les ténèbres disparues, tout devrait revenir dans son état normal. Oui, mais on risque de vous oublier, ou qui, du coup, enfin, on va oublier tous nos potes. Vous croyez que Kairi retournera sur l'île? C'est ce qu'on t'a expliqué tout à l'heure. Certainement, et toi aussi. Je ne peux pas rentrer avant d'avoir retrouvé Riku et le roi. Ok, je ne peux pas rentrer avant d'avoir retrouvé Riku et le roi. Très bien. Eh bien écoutez, on en a appris pas mal. On a vu que bah, nos héros de FF, Léon, Iris, enfin je sais plus tout leur nom, viennent en fait tous d'ici. Ils ont grandi ici. Et du coup, bah, ils ont dû grandir avec Kairi. Ils devraient connaître Kairi. Non? S'ils étaient petits. J'ai pas tout... Attendez, on va sauvegarder, mais je vais aller faire un tout petit truc avant qu'on se laisse. Re-sauvegarde ici. On va retourner voir proche de la serrure. Je pense qu'on peut continuer et aller au cœur des ténèbres. Enfin, je sais pas si on doit faire un nouveau chemin avec le vaisseau Gumi, du coup, j'ai pas tout compris. Mais... ce qui m'embête... Ouais, bah oui, du coup, je pense que... fini du tout, il va y avoir un autre monde. Enfin, j'ai pas compris. Le cœur des ténèbres, je sais pas trop où il se trouve. Je dis la fin du jeu. Ça fait déjà un bon moment que je ne sais plus trop ce qui se passe. Alors, les ténèbres ont faibli, du coup il y a plus de 100 cœurs, c'est cool. Et il faudra que je retourne voir les Dalmatiens, parce que maintenant qu'on a terminé. Est-ce que vous êtes toujours là? Non mais ils sont où mes potes? Je sais qu'il y a un dernier truc à faire avec eux. Je m'en souviens, et ça doit être pour ça que je voulais aller à la bibliothèque. On va aller à la bibliothèque. Rapido. Tant pis si l'épisode dure 5 minutes de plus, parce que je veux aller à la bibliothèque. Alors, hop. En espérant que ce soit ça. Si c'est pas ça, bah écoutez, on aura fait durer 30 secondes de plus pour rien. Oui, 5 minutes deviennent 30 secondes en un clin d'œil. C'est la fête. Oh, il y a plus de 100 cœurs ici. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on vient de les... On vient de les égouiller, mais... C'est agréable de plus devoir combattre. Alors, ça doit pas être bien loin, faut que je redescende tout. Je dois me retaper toute l'ascension après. Décidément. J'en ai fait des allers-retours là-dedans. Vas-y, saute. Hop, oh, bah, on est bien là. Elle est où la bibliothèque, man? La salle de lecture. Hop, c'est plus bas encore. Faut que je retourne dans le grand hall en fait. Enfin, le hall, pas le grand hall. Le grand hall, c'est là-haut. On y est presque, je dirais. On va passer par là-bas. Zoup. Voilà, parce que je crois que mes potes, donc Léon et toute la team, sont là-bas. Et si j'ai bien tout compris, parce que oui, je me renseigne sur des trucs pour pas tout vous rater, on devrait récupérer des rapports d'Ansem. Et ça, c'est intéressant, il devrait en rapporter pas mal en fait. Je les lirai peut-être, je les lirai sans doute, même sûrement, la prochaine fois, au début d'épisode. Bonjour. Sora, tu devrais lire ça. Ça dit quoi? C'est ce qui reste des rapports d'Ansem. Maléfique a dû les récupérer. Rapport d'Ansem 2, rapport d'Ansem 4, rapport d'Ansem 6, rapport d'Ansem 10. Voilà. Là, il y a du rapport. Là, il y a matière. Et du coup, on va regarder. C'est dans le carnet. Rapport d'Ansem. Voilà, le 1, le 2, le 3, le 4, 5, 6, 7... Il manque le 8. Le 8, je sais pas où il est, si vous pouvez me le dire, si est-ce que je l'ai plus tard, parce que... J'aimerais bien les avoir tous, et on a donc 4 nouveaux rapports à lire, donc je les lirai la prochaine fois, je pense. Enfin, je sais pas si je les lirai tout d'une traite, on pourrait peut-être en lire 2 la prochaine fois, et 2 autres la prochaine fois après. Bref, voilà. Du coup, on a terminé les Dalmatiens, on a aussi un petit signe de Mickey dessus. Bref, voilà. Je vais vous abandonner ici, parce que sinon l'épisode va encore durer 10 ans. Et du coup, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos astuces. Du coup, si j'ai posé des questions pendant, n'hésitez pas à y répondre. Concernant les Keyblade, laquelle vous voulez que j'utilise, le dernier rapport d'Ansem, où se trouve-t-il? Est-ce que je dois m'entraîner? Est-ce que je dois faire... Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me retaper un chemin en vaisseau Gumi? Enfin, bref. Aidez-moi. Parce que c'est comme ça qu'on avance et ça marche très bien. Et c'est super de pouvoir faire ce let's play avec vous. Parce que je ne suis pas tout seul là-dedans du tout. Hein. Vous m'aidez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et je vous en remercie. Du coup, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour continuer. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt tout le monde. Salut.